Shalom Alechem, on est dans le premier Kitsur Shulchan Aruch de Yakut Yosef, Siman Kuf Mem Gimel, Alaha Tedvav, In Sataout Behem Tsakria. Si on a trouvé une faute au milieu de la lecture du Sefer Torah, In Nimtseou Dibukim Opirudim, Bisha Takria, Sefer Torah, Bishabbat Beyom Tov, O Besheni Vehamishi. Il nous dit le Rav, si maintenant ils ont trouvé des lettres qui sont collées ou des lettres qui sont à la lettre et les pas bien entiers, comme par exemple le Aleph c'est un Vav et deux Yud, d'accord, ou un Vav et un Yud et un Dalet en bas, ça dépend comment on écrit. Alors le Yud, si maintenant ils le font, le Yud, il n'est pas collé au Vav, alors c'est pas le Aleph. C'est un Aleph qui est coupé en deux. Si c'est Shabbat, Yom Tov, Sheni, Hamishi, le minhag il est d'arrêter, de fermer le Sefer Torah, de sortir un autre Sefer Torah du Echal. Et ainsi c'est le minhag. Ve'im yesh safek imaot vuka lechemata olo, en motsim Sefer Torah. Et si maintenant il y a un safek, il y a un doute. Si par exemple la lettre elle est oui collée, on voit par exemple le Sofer et le Rav qui regardent la lettre, ils regardent. Alors c'est Safek qui nous dit le Rav. En motziim Sefer Torah aher mi Safek. Puisque c'est Safek des Rabbanan, mais là, on ne sort pas un autre Sefer Torah mi Safek. Ve'im tzurat ha'ot nikeret el ha'shesh badibuk le'ot aheret yesh makom l'otzi l'omar she'en tzarich l'otzi Sefer Torah mais tzarich yon emasim. Il dit le Rav, et si maintenant, on voit la lettre, mais il y a, dans cette lettre-là, il y a un problème. Quel est le problème? Peut-être qu'on voit qu'elle colle à une autre lettre. Okay. Mais quand même, la lettre, elle est là. Il nous dit, le Rav, quand même, il faut sortir un autre Sefer Torah. Okay. Et maintenant, Alakha le Maase. Mazé Alakha le Maase. Comment on doit maintenant se comporter? Il dit, Tseriyoun. Mazé Tseriyoun. Quand le Rav lui dit Tseriyoun, ça veut dire qu'il faut chercher maintenant, est-ce que quelle est la Alakha? Est-ce que vraiment on sort un autre Sefer Torah ou on ne sort pas un autre Sefer Torah? Le Rav, il est resté Betzaïriyoun. Betzaïriyoun, ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire. Parce que selon la halakha, des fois, quand on voit ici, il y a deux côtés. Un côté, oui, tu dois sortir un autre Sefer Torah. Un côté, tu ne dois pas sortir un Sefer Torah. Il faut savoir, au niveau de sortir un Sefer Torah, on n'a pas le droit de sortir un autre Sefer Torah s'il n'y a pas un problème dans le premier Sefer Torah. Parce que ça s'appelle Mishum Pugamo chez le Sefer Torah. Les gens ils vont croire, ah, ce Sefer Torah, il n'est pas plus caché. Ah, mais ça, il n'y a aucun problème. On sort, le Sefer Torah, il est juste en face ici. Non, ce n'est pas ça. Comme par exemple, un Kohen. Pourquoi il monte aussi à la place du Lévi? Il n'y a pas de Lévi dans la Beta Kesset. Il y a un Kohen, il n'y a pas de Lévi. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, il y a les Kohen, une comme Lévi. Pourquoi? Mais il fait profiter un autre. Aaron, Raphaël. Non. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont dire, on est descendu. On est descendu de monter Kohen. Mais il est monté déjà. Alors, les gens, ils vont dire que lui, c'est un Kohen Passoul. Pourquoi il est descendu? Kohen Passoul. Et comment il est Passoul? Ouais, il s'est marié avec une divorcée. Alors, ses enfants, ils sont halal. C'est faux. Okay. Ça va vite. Brrr, les paroles. Ça va vite. Chemichement. On peut faire revivre quelqu'un ou on peut faire l'inverse. Avec un mot. Sefer Torah shenimtza bo taout. Tikno ha-sofer. Be'emtza kriya be'imei sheni ve'hamishi. Rashi ha-rashim hanuka ve'purim et'aniot. Ve'adio adayin lach. Yesh la'kel le'varech ve'likro be'sefer Torah ze. Ve'en tzer la'mtin ve'milikro be'sefer Torah ad she'adio yitbayesh. Il dit le Rav, un Sefer Torah, qu'on a trouvé une faute dans le Sefer Torah. Et le Sofer, il est venu tchik tchik tchak, lui, il a ses outils avec lui. Il a réparé la lettre, au milieu maintenant de la lecture. Si c'est par exemple, on ne parle pas que c'est Shabbat. Shabbat, ça ne commence même pas. On parle, si c'est par exemple Rosh Chodesh, Sheni, Hamishi, Purim, Hanouka. Et maintenant, quand on va lire, on voit que le dio, l'encre, il est encore, il n'est pas encore sec. Il dit le Rav quand même,
on peut continuer à lire le Sefer Torah et pas besoin maintenant Quel rapport le dior? Dio, ça veut dire l'encre. Quel rapport le dio? Qu'est-ce que c'est un dio? C'est l'encre. Et qu'est-ce qu'il fait le Sefer Torah avec le dio? Non, mais là, il a dit, ils se sont rappelés plus tard qu'ils ont, le Sefer Torah sur lui, il n'était pas saoul. Non, mais même que. C'est pas une qui s'est rappelé ou s'est pas rappelé. On parle maintenant, ici, la question, elle est. Est-ce qu'on peut lire un Sefer Torah sur un Sefer Torah même que l'encre il n'est pas sec? Ça veut dire? On n'est pas la même à la fin là? Moi je suis à Yud. On est dans Tet Zayin, Rouven. Ok, ah, toi. Alors il nous dit le Rav, même si maintenant l'encre il n'est pas sec, okay, alors on peut continuer à lire du Sefer Torah. Pas besoin maintenant d'attendre que le Sefer Torah il va sécher. Quand il va le rouler, ça va faire. Oh, il y a un problème. Là, il faut attendre que maintenant il sèche. Il ne faut pas le rouler. Si tu le roules maintenant, qu'est-ce que tu as gagné? Il est obligé. Pas tout de suite, tu attends. Ça sèche vite. Ça ne va pas prendre une heure. Tu mets de côté, tu laisses un peu le Sefer Torah. Il y en a qui font ça. Il n'y a aucun problème. Attention maintenant quand. Ken, il y a une... Fais attention quand on lit dans le Sefer Torah. Pourquoi? Une des raisons. Tu vois qu'un Sefer Torah, il est neuf. D'accord, il est neuf, le Sefer Torah. Il est neuf. Il a été ouvert Bdika. Il y a un sophère qui l'a bu, il a tout le Sefer Torah. Et pareil que ça, ils ont fait vérifier même avec un Mechashev. Mechashev, c'est vrai que c'est un ordinateur. Alors, Mabaya, pourquoi maintenant c'est bien et c'est conseillé toutes les semaines de vérifier le Sefer Torah? Toutes les semaines, ici à Moussaï, on fait bien hein, que lui, il ouvrait tous les Sefer Torah et il les vérifie avant de la paracha de la semaine. Pourquoi? Là-bas, au Hachem, il y en a des gens qui montent au Sefer Torah. Ils ne font pas attention. Et quand ils parlent, ils poustillent. On dit poustillent. Poustillonnent. Ça fait un peu de la pluie. Ron, qu'est-ce qui se passe? Ça peut effacer. Après, il y a une petite goutte. Quand tu fermes le Sefer Torah, okay, qu'est-ce qui se passe? Il se colle, la lettre, elle se colle avec l'encre vers le Sefer Torah, quand tu ouvres, tac, il se casse. Un problème. Il dit le Rav, Sefer Torah, Shinimtsa bo taout, Beshabbat, Be'et Akriya, Be'yom Sheni Vechamishi, Be'Shabbat Aba'a, Shachachou Votsiou Sefer Ze, Torah Ze. Venizkero, Be'em Tsa Akriya, Yesh Lehapsik Et Akriya, Velotsi Sefer Torah Aher, Venikro Bo, Be'Makom Shepaskou. Aval Enam Zerim Lerzor Al Kol Akriya Mirosh. Alors, un Sefer Torah, qu'ils ont déjà trouvé une erreur quand ils ont lu le Sefer Torah. Maintenant, Sheni, Hamishi, Shishi, Shabbat. Et le Shabbat après, on les ouvre le Sefer Torah, ils ont dit, ah, au milieu de la lecture, ils se rappellent que ce Sefer Torah là maintenant, c'est le Sefer Torah qui n'était pas saoul. Et le Sofer, lui, là, il a dit, j'ai pas vérifié, j'ai pas corrigé. Alors maintenant, on a déjà fait la première montée, la deuxième montée, la troisième montée. Est-ce qu'on a perdu maintenant ces montées-là? Oui ou non? Il nous dit le Rav, en premier, il faut arrêter au milieu de la lecture. Okay. Ça, c'est une. Après qu'on a, on a fermé le Sefer Torah, on sort un autre Sefer Torah. Ok? Veliko, bon, mais comme je sais pas ce coup, et on lit, qu'est-ce qu'on fait? On lit où on s'est arrêté. Mais par contre, ils n'ont pas besoin de revenir maintenant toute okay, la lecture où ils se sont arrêtés, où ils ont, qu'est-ce qu'ils ont raté. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà rendus quittes, on peut compter sur le Rambam. Qu'est-ce que tu as lu, même si c'est un Sefer Torah qui n'est pas saoul okay. Sefer Torah, Shenimtsa, Bo, Taout, Ahat. Ou deux taouyot, mouta likro bo le'achar ha'tikun bebrachot ha'torah, et rak im nimtsa bo shalosh taouyot, ne'asa murzak betaouyot, ve'asur likro bo ad she'yagiu oto, kulo mitchilato ve'ad sofo. Mikol makom, im ba'u bedin bedvarim ha'sofer, ve'ta'ana she'yagia et kol ha'sefer Torah al cheshbono, hu, yesh ladun ve'la'akel baze shelo le'chayavo bekach. Ve'kol ze betaout, mamash she'meshaneh et ha'inyan. אבל ביתרות וחסרות,
au Piroudi et Dibouki Moutali Kol, Ken, Besefer à Torah, le Ahar à Tikul. Ken, il nous dit le Rav, un Sefer Torah, qu'ils ont trouvé une erreur dans ce Sefer Torah. Une erreur, il faut savoir que quand le Sefer Torah il a trois erreurs, il faut faire, le Sefer Torah il est pas soul, il faut faire abdicat sur tout le Sefer Torah. Mais si maintenant tu as fait, tu as trouvé une erreur, tu as trouvé deux erreurs, okay. Et quand même, tu peux lire dans ce Sefer Torah après que le Sefer lui a réparé ce Sefer Torah. Avec bracha, il n'y a aucun problème. Seulement si maintenant il y a trois erreurs, alors là, ce Sefer Torah, il est devenu Mourzak Betaouyot. Et c'est assourd de lire dans ce Sefer Torah tant qu'ils n'ont pas vérifié le Sefer Torah avec le Sofer du commencement jusqu'à la fin. Assourd li kobo ad sheyagiu oto kulo mitrilato ve'ad sofo. Ou mikol makom, ken imbaou bedin mitvarim. Si maintenant le Sofer, ils sont venus vers le Sofer, ils ont dit écoute, le Sefer Torah que tu nous as donné, il n'est pas saoul. Tu m'as dit que tu as fait vie, tu as vérifié, tu as passé maintenant aussi le Magad Mechachem, l'ordinateur, tout cela. Il dit le Rav, pas besoin maintenant de se disputer avec le chauffeur, avec le sofer, pas besoin maintenant de le mettre au Beddin, il dit le Rav, okay, et de lui dire que il, maintenant sur son compte, il doit maintenant payer un sofer, que lui qui fait Aïnaga, c'est-à-dire de vérifier tout le Sefer Torah. Yesh la doun le hakel. Maintenant, comment on va gérer l'affaire, il nous dit le Rav. On va vers la coula et pas l'obligé qui va payer. Le chol ze betaout mamash, chez Meshane Taïnian. Tout cela maintenant qu'on parle, Ken, si maintenant il y a vraiment une faute. On voit maintenant la lettre. Des fois il y a des lettres que un noun c'est comme un kaf. Le lamed, on le fait avec un vav en haut, et bien par exemple un petit yud. Des fois ça. Alors, si c'est un kaf au lieu d'un noun, attends que c'est Meshane. Péné, le mot péné. Si maintenant tu vas, on va voir. Si maintenant le noun, Ken, il n'est pas petit en haut et après un peu long, ben ça fait kaf, ça fait comme un kaf. Ken, voilà, il y a des. Un vav, au lieu qu'il fait vav, il fait zain. Ça change, c'est pas zain, c'est pas vav, c'est zain. Avec les terrots, les chesserots, les pirouti, les bouki, les moutons, les gobes, les vatorats, la ratikoun. Si maintenant. Tiens, ce Sefer Torah là, maintenant tu l'as réparé. Pas besoin de la gâche, le si maintenant il y a les lettres collent, ou par exemple il manque les des lettres, alors là, il me dit le Rav, pas besoin de refaire la gâche dans tout le Sefer Torah. Azakobo.